Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 10e épisode de ce Nuzlocke sur Pokémon Suite, acte de Pokémon Rouge Feu sur GBA, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Alors vous avez vu qu'on a eu un montage d'entraînement, donc on va tout de suite faire un point rapide sur l'équipe. Donc toute l'équipe a été mise au niveau 30, comme je le voulais. Alors c'est parti pour l'incapacité. Nous commençons avec Maestro, notre Charmeleon ou Reptin Fraise, dont le set n'a toujours pas changé depuis 2-3 épisodes, coup, point, karaté, Earl. Coup point karaté, flamèche et griffe pomme, on va y arriver. Nous avons ensuite Tartelette, notre Cupcat, l'équivalent ensuite de Percy en niveau 30 avec griffe, donc bananacé qui est l'équivalent de feinte, morsure et tunnel. Nous avons ensuite Chantilly, notre Cream-Tuff, l'équivalent ensuite de gros doudou niveau 30 avec écrase-face, zeste qui est donc l'équivalent de repos, rest, zeste, et c'est là qui va le jeu de mots, berceuse et roulade. Nous avons ensuite Clafouti, notre Raticake, équivalent de Ratatac avec Poursuite qui vient remplacer Charge. Et ensuite Puissance, Vive Attaque, Écran de Mort, tout ça n'a pas changé.
Nous avons ensuite Barba Papa, notre Candix niveau 30, qui a enfin appris un nouveau move, j'ai envie de dire qu'il était temps. Charge, Dracosoufle, qui est au goût citron vert, étreinte et ampleur. Et enfin, la nouvelle recrue qui a évolué, Lindor, qui est désormais un Banani Buzz, donc l'équivalent de vos tutrices, qui est basé sur un trio picker, c'est pour ça qu'on va avoir plein de moves assez étranges. Qui connaît donc Fudge Slap, qui est l'équivalent de coup de mou, donc on va appeler ça coup de caramel ou un truc comme ça. Vol, ampleur et tunnel. Si vous avez regardé le montage d'entraînement, vous avez vu que j'ai eu une heureuse surprise dans l'équivalent de la grande Cacto Picker, et je vais vous montrer ça dès maintenant, puisque j'ai capturé un Poké Switch Shiny. Apparemment, il y a des Shiny dans ce jeu-là, et j'ai eu un Kitot Shiny. Alors, vous le voyez, il y a la petite étoile, niveau 20, donc on sait qu'il est au goût framboise choco. Et voilà, donc il a mu, et le 7 charge, morsure, confection et entrave. Donc bien sûr, ce n'est pas ma première rencontre, je n'ai pas le droit de l'utiliser, donc je vais le mettre en bas de la boîte, il sera tout seul comme un pauvre petit, mais bon, hey. C'est un shiny, je vais pas cracher dessus, mais quand même, c'est pas ma première rencontre, donc je n'ai pas le droit de l'utiliser. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chemin en direction de la grotte, on va essayer d'arriver à l'équivalent de Céladopol. Comme ça, on sera tranquille pour faire le quatrième batch dans le prochain épisode. Ça risque d'être un épisode un peu plus longue durée, mais ça, je pense pas que ça vous gêne. Allez, tiens, tant qu'on est là, on va récupérer quelques baies. Donc, 2 baies marron et 2 baies cerise. Très bien. Alors, les dresseurs des routes qui mènent à la grotte, je les ai tous battus, comme j'avais fait dans vos épisodes. Regardez le montage d'entraînement. Je n'ai simplement pas pris de rencontre. Je voulais les garder pour quand on filmerait. Et... Oh, je t'ai pas battu, toi. Je t'ai pas... Mais il me semblait que je t'avais battu, toi. Bon, pas grave. Je vais te démonter vite fait. Donc, un de moins. Ok, rien de bien méchant. On va terminer avec ça et ça. Voilà. Donc, du coup, c'est dire que toi, je t'ai pas battu non plus, du coup. Ah non, effectivement, je crois que je les ai pas battus. Bizarre. Bon. On va se faire ça vite fait. Voilà. C'est réglé. Donc, du coup, au moins, on les a fait. Oh, allez, on va se prendre une rencontre ici qui sera... Qui sera un doublon, puisque nous avons déjà un Cherzel. Première chance, plus que deux. Deuxième chance, deuxième rencontre, ce sera... Encore un Cherzel, attention! Dernière chance, si c'est un doublon, nous n'avons pas de rencontre pour cette route. Allez, quelque chose que je n'ai pas, ce serait gentil. Bon, bah c'est encore un doublon, ce qui veut dire que... Nous n'obtiendrons pas de rencontre sur cette route. Et comme par hasard, à la quatrième rencontre, c'est ce qu'on aurait pu capturer. Donc on aurait eu un Migom, donc l'équivalent d'Abo, mais les trois chances sont passées. Je n'ai donc pas droit à un Pokémon. Et au vu de sa tronche, je le verrais bien au goût orange, genre orange citron vert. Bon bah c'est dommage, pas de rencontre pour cette route. Alors j'ai oublié le nom de la route, on va regarder sur la map. Nous sommes... sur la route du miel, donc pas de rencontre pour la route du miel, malheureusement. Les règles sont cruelles, mais sont ainsi faites. La loi est dure, mais c'est la loi, comme on dit. Allez, cric du chocolat. Qu'est-ce qu'on va trouver? Encore? Je l'ai déjà, ça. Hein. Allez, deuxième essai. Vous allez voir que ça va encore une fois être la quatrième. Troisième rencontre, Karatorb. On a de nouveau pas de rencontre. Juste voir la quatrième pour voir si le jeu a décidé de me troller. Ah bah non, ça aurait été un peu psychou, on a déjà un peu psychou. Aucun regret. Alors pendant le montage d'entraînement, il y a cet endroit-là, qui apparemment est un autre dôme de vanille. Donc je me dis, avec des Poké Suite level 30, on peut l'essayer. Je vais quand même sauvegarder. Car vous seul êtes en mesure d'empêcher la perte de vos dés, donc pensez à sauvegarder votre partie dès que quelque chose d'important va se produire. C'est toujours important de ne pas perdre ses données. Allez hop, c'est parti. Ah là par contre, c'est l'arène du gingembre. C'est pas pareil. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu le niveau. T-Cake, c'est Goman. 32. Oh shit. Alors, on va essayer de raisonner. T-Cake, il a l'air d'avoir des fraises. Donc il doit être aux fraises, on est d'accord. Et la fraise prend x2 sur cerise et framboise.
À côté de ça, on a Goman. Goman qui a l'air d'être citron vert. Le citron vert prend en x2 sur banane et citron. Donc, je vais faire une coupe sur T-Cakes. Et à côté de ça, je vais faire un banana slip sur Goman. C'est normal. Oula, 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 oula. Oula, 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 j'aime pas ce qui se passe. Je me dis, si les premiers sont niveau 32, ça va être moche quand même. Bon. On va raisonner autrement. Je vais... Attendez, deux secondes. Je sens que j'ai un éternuement qui arrive. Voilà, c'est mieux. Donc apparemment, il est pas citron vert, Goman. On va essayer une griffe pomme et à côté on va faire les bananas slip plutôt sur TK parce qu'on sait que ça peut pas louper. Donc tu peux te booster autant que tu veux, moi je vais te taper. Ok, critique c'est fait que dalle. Ah puis en plus Maestro est... il est coincé là. Ah, la pomme est super efficace, donc la pomme fait x2 sur banane, orange, cerise. Donc il a l'un de ses trois coups. Ouh, puis on a eu le boost d'attaque, ça c'est bien. Crazy Cake. D'accord, c'est l'équivalent de par ici. Ok, si ça t'amuse. Donc on va refaire exactement la même combinaison. Le tout étant aussi d'arriver à dégager le TK assez rapidement. À l'équivalent de Mushana du coup. Ok, bon là ça va. L'amour l'a pas bloqué, c'est parfait. Oh punaise, ça fait rien. Plus 2 en attaque, plus 2 en attaque, ça c'est bien. Arrête de spammer boule armure. Ok, on va essayer un truc au goût fraise pour voir s'il serait pas au goût orange. Parce que l'orange prend cher sur les trois types des starters. Allez. Allez Maestro, tu peux le faire, tu l'as fait deux fois, bien. Ouais, il est au goût orange. Parce qu'il a pris cher sur la pomme et la fraise. Et le saldi qui prend cher sur la pomme et la fraise, c'est l'orange. 513, 513. Ensuite, t'envoies quoi? Ricycle. Alors Ricycle, on sait que c'est un goût orange. Donc on peut le taper tranquillou poète-poète avec nos starters. Je veux par contre finir le TK, ce serait bien. Putain, ça fait que dalle. Allez Maestro, tu l'as fait trois fois. Ah merde. Tonnerre. Ok, ça c'est pas très efficace, c'est bien. On continue. Allez. On va finir avec une morsure, je pense que ça devrait suffire. Voilà, parfait, comme ça il est plus là. Niveau 31 pour Maestro. Et enfin, Stromillion, parfait. Excellent. Alors attendez, c'est la... C'est quoi qui est sur la fraise? C'est la pomme. Le problème c'est qu'il l'a probablement aussi. Mais j'ai un plus 2 en attaque et je... Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une griffe pomme sur le Stromillion et je vais utiliser le tour de Tartelette pour soigner Maestro. J'ai un plus 2 normalement. Pomme pas super efficace. Oh punaise, je sais pas lire. Point orange, donc il y a un point de feu. On va... Oh, parce que j'ai boost en attaque, j'ai autant le... Bon allez, on va tenter une coupe et... Non, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une flamèche ici et on va faire morsure sur... Voilà, comme ça on dégage le Ricycle. Niveau 31 pour Tartelette, très bien. Et on l'a fait bien mal comme il faut. Point karaté. Allez, on va le finir avec quasiment la même combinaison. Genre juste coupe, enfin, là je vous coupe. Et on a battu le premier dresseur. Et bah si c'est ça le premier, ça risque d'être chaud patate, hein. Alors qu'est-ce que t'envoies? Banani Buzz et Banvine. Donc les deux sont... Alors on a Banane et Banane Choco. Banane prend cher sur... Pomme, orange et citron. Donc on a tout intérêt à garder Stromillion sur le terrain. On va utiliser point karaté sur Banani Buzz. En fait on va aller à 2 sur Banani Buzz, ça me paraît bien. C'est pas mal. D'accord, donc il me balance du caramel. Coup de corne. Avec quelle corne tu me fais ça? Bon.
Tartelette est un peu en mauvaise posture. Je pense que je vais switcher. Bah, du coup, je vais traîner la poursuite de Clafoutis. Au citron, c'est super efficace sur la banane. C'est parfait. Allez, le banani buzz, il dégage. Si tu envoies un chocoliche. C'est quoi cette tronche? C'est quoi cette tronche? C'est une tronche complètement improbable. Eh bah dis donc. Je vais utiliser ce tour pour soigner Maestro. Et à côté de ça, je vais traîner poursuite sur Banvine. On va voir ce que ça donne. Santé. Ah, et l'autre qui met une protection. Ok, bah, il y a Choco dans le nom du Chocolis, donc ça veut dire que Point Karaté devrait très probablement être super efficace sur lui. Et je vais plutôt y aller avec un Croc de Mort, j'ai l'impression que ça fera plus de dégâts. Pour la simple raison que c'est stabé. Pas mal, pas mal. Préscience. D'accord, ok, bon bah je vais continuer la même combinaison. Ah, Clafoutis, tu peux pas louper ton attaque, c'est pas... Karaté peut échouer, tu te fous de ma gueule. Bon. Je continue cette combinaison. Wait, il s'est pris un fudge slap, c'est pour ça que ça passe pas. Oh 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 oh. On vient de perdre Clafoutis. Préscience. Je te déteste, Préscience. Je te chie dans la bouche, Préscience. On est mal barré. Bon. Gentil, je vais avoir besoin de me reposer sur toi. La banane prend cher sur quoi? Prend cher sur citron. Ah, pomme! On va finir avec ça, puis on va commencer à faire... On va faire dormir le chocoliche. Ok, très bien. Cream Tuff. Ah, bah on en a aussi, nous. Oula, il va falloir faire gaffe avec les... Avec les préciences, faut faire gaffe. Je pense que je vais switcher Maestro. Et je vais envoyer... Je vais envoyer Barba Papa. À côté de ça, on va faire dormir l'autre, comme ça on est tranquille. Voilà. C'est une technique qui est pas... ça fait mal. Alors, comment qu'on va faire? On va tester notre nouveau move. Et à côté de ça, je vais partir sur une roulade. Oh, ça lui a bien fait mal. Falloir arrêter avec les pressions, ça devient chiant. Ok, le chocoliche n'est plus là. Allez, c'est parti, on va se mettre à 2 sur Plume d'œuf maintenant. Et c'est pas mal. Continue. Ok. Maestro niveau 32, tu vas apprendre étreinte. Non? C'est tout moisi étreinte. Pourquoi il apprendrait étreinte? C'est tout pourri. Et on en a encore deux. On est dans la merde, les gens. On est dans la merde. Panfisk et Leaforis. L'autre c'est un pancake. C'est un pancake. Énorme blague. Lorsqu'un pancake tombe dans la neige avant le 31 décembre. On dit petit A. Que c'est un pancake qui est tombé dans la neige avant le 31 décembre. Petit B, que c'est une guipe en surgelée. Petit C, que c'est un frisbee comestible. Ou D, la réponse D. The fuck. Bon, je vais devoir spammer le heal comme un taré si je veux survivre. On va sonner Tartelette et on va utiliser son tour pour... Allez, pour mordre les pancakes, parce que les pancakes ça me donne faim. D'accord, c'est équivalent de ballon.
Oh punaise, ils sont à 2 sur Maestro, génial. On va switcher, bon bah Chanty, ça va être à toi. Hein. Et on va continuer à taper le Pimpfisk. Oh, il a joué les sourires ce machin. Le mec, il est amoureux d'un pancake. Là, c'est acide. Bon. On va encore faire la même technique, hein, fait dodo. C'est une technique qui est pas top, mais au moins elle me permet d'avoir de, elle donne des résultats. Allez, Pimpfisk, tu dégages. Golp. Cette tronche de Nosferalto, quoi. C'est génial. Elle est géniale, cette tronche. Bon, alors, avoir la tronche, elle a l'air d'être citron vert ou myrtille. Et un truc qui est sûr, c'est qu'il va faire... qu'il va dodo. Alors, banane, c'est citron, citron vert. Bah écoute, il y a moyen de savoir s'il est type... si le goût, je pense, on va faire bananasli. Non, c'est normal. Voilà. C'est, alors, comme je dis, c'est pas le truc le plus legit, mais au moins ça donne des résultats. Allez, c'est parti pour une roulade. Et là, on va mordre le Goldberry, allez hop. Au critique. Ok, donc toi... bon, on va le finir. Cinnawhirl. Oh, il est mignon. Bon, il est au chocolat, malheureusement pour lui. Oh, mais il est adorable, le tétard au chocolat. Ok, donc écume, on est tranquille. Là, tu prends une roulade qui fait bien mal. Level 32 pour Tartelette, level 31 pour Chantilly. De toute façon, Chantilly et Tartelette, je pense que ça va être le duo qui va nous aider. Allez. Excellent. Allez, plus qu'un. Plus qu'un, on n'a plus qu'un match à tenir, les gens. Après, on peut soigner. Bon, on va devoir dire au revoir à Clafouti, malheureusement. Alors, le dernier, t'en as 4 aussi, et t'envoies soit l'Apple et Fermit. Attends, wait, soit l'Apple, c'est pas en ça que Golden aurait évolué? Alors attendez, faut que je me souvienne. Soit l'Apple, bah y a Apple, donc il ou pomme, on est d'accord. Pomme prend x2 sur la fraise. On peut tenter le coup. À côté de ça, on connaît pas le type du Fermit. Donc ce que je vais faire, je vais tenter quelque chose, un truc de coup. Je vais tenter de soigner Maestro. Et je vais taper... Attendez, il prend cher sur la fraise, on avait dit. Non, attends. Pomme pour... Du coup, je vais faire tunnel sur soit l'Apple. Très bien. Très bien. Et maintenant, je vais... Alors, qu'est-ce qu'il pourrait être comme type? Il est rouge. S'il est rouge, il est soit pomme, soit cerise, soit fraise. Soit pomme, soit cerise, soit fraise. Alors, on va tenter... Je sais pas, on va tenter un stab flamèche. On sait que c'est super efficace. C'est pas mal les dégâts. Ensuite, ok, donc combo griffe. Et Maestro ne peut rien faire. On va retenter la même combinaison. Je prends un risque avec Tartelette là qui a plus beaucoup de points de vie. Poursuite. Non. Puissance. Ok. Maestro, c'est pas le moment. Bon, pour être sûr, je vais claquer une eau fraîche pour soigner Tartelette. Ok, donc soit l'Apple, il dégage. Côte Grape. Oh, il est mignon. Il est mignon. Alors, il y a Grape, donc il est au goût raisin. Et le raisin prend x2 sur la cerise, l'orange et la myrtille. De toute façon, j'ai aucun de ces moves-là, donc... Non, pas besoin de heal. On va... Avoir sa tronche, je le verrais presque au chocolat. Je vais tenter le coup. À côté de ça, je vais faire une bonne vieille morsure sur Fermit. Attendez, excusez-moi, juste 2 secondes. Voilà, désolé pour ça, c'est vraiment, j'ai des saignements de nez récurrents, ça commence un peu à m'embêter. On va tenter une... On va peut-être aller à 2 sur le Fermit, allez hop. Plus beaucoup de morsures, il serait temps que ces combats s'arrêtent. Copycake, au lieu de copycat. C'est mignon ça. Ouais, bon, c'était plus grand chose. Ok. Maestro ne peut toujours rien faire.
On finit, voilà. Curly cake. Oh, oh, j'adore sa tronche. Oh, j'en veux un. J'en veux un. J'en veux un. Oula, alors par contre, Tartelette va falloir le soigner et vite. Antidote. Et surtout, je pense que je vais utiliser son tour pour le soigner aussi, mais je trouve que ça va leur donner. Vous savez quoi? On va switcher et on va envoyer Chantilly. Fusion. Oh punaise. C'est les deux derniers. On est presque tranquille. On va essayer une flamèche par ici. Et là, on va encore utiliser la fameuse technique de les mettre. De les faire dormir. Oh punaise, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Ténèbres. Non, 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 non. Je suis très très mal barré là les gens. L'équipe elle va prendre super cher. Mais vraiment. Bon. Avec lui on va voler. Et avec l'autre on va devoir soigner. J'ai pas d'autre choix. Je vais devoir claquer mon hyper potion sur lui. Oh punaise. Punaise, on vient de perdre le starter. On va faire dormir le Curly Cake peut-être. Chantilly, mais Chantilly! Oh punaise, punaise, je peux rien faire, je peux rien faire, bon. Je suis obligé. Je suis obligé, sinon ça passe pas, hein. Oh punaise, oh non, 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 je suis pas d'accord. Je suis obligé de spammer le soin, sinon je le perds, quoi. Bon. Maintenant, on est à 2 contre 1. Il faut juste que j'arrive à le faire dormir, on est tranquille. Chantilly, c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Attends, il a tapé en premier, mais il faut. Il le faut, j'ai pas d'autre choix. Normalement, c'est bon. On n'est pas passé loin de la catastrophe, les gens. On n'est pas passé loin de la catastrophe, mais... On a fait tout ça pour un super bonbon. On a perdu 2 Pokésuites pour un super bonbon. Vous pouvez imaginer à quel point j'ai les boules là. J'ai franchement les gigaboules. Plutôt qu'on vient de perdre 2 Pokémon. Enfin 2 Pokésuites. On va devoir dire au revoir à notre starter. Niveau 32. Adieu Maestro, tu étais un valeureux guerrier. On aura malheureusement pas le privilège de voir la forme finale. Qui aurait été plutôt badass, j'en suis sûr, mais bon. Et on perd également Clafouti, notre Raticate niveau 30. Eh, il tapait bien fort comme il faut, je l'aimais bien aussi lui. Ainsi va la vie, paraît-il. On vient de perdre 2 valeureux guerriers en un épisode. Va falloir qu'on entraîne des Pokémon, des Pokésuites. On va regarder un peu ce qu'on a. On a vanille, fraise, banane, choco. Faut qu'on prenne un max de types différents. Donc on a déjà un banane, donc lui c'est hors de question. Toi t'es quoi? T'es orange, vanille. Ça peut être une idée de le prendre, lui. Sinon, on aurait Popsy Chou, ça pourrait être pas mal. Il est orange vanille aussi. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'Haribo, il est citron, on va le prendre. Alors maintenant, on va regarder au niveau des stats, qui ça vaudrait le coup entre Miko et... Les stats de Magnum sont quand même meilleurs. Il demande plus d'XP, mais je vais le prendre. Ça fait qu'on a maintenant, on va avancer à 4 Pokémon. Au pire, je vais aller chercher une rencontre dans la grotte. On va voir si on peut trouver quelque... Oh, avec tout ça, j'ai oublié d'aller soigner l'équipe, moi. Voilà.
Et limite, je suis en train de me demander si, une fois qu'on aura la rencontre, je vais pas m'arrêter simplement pour mettre l'équipe à niveau, parce que avec une équipe de 4, ça va être difficile, très très difficile. Tunnel du gâteau. Oh, c'est beau, c'est tout rose. Alors, notre première rencontre sera... un pantfisk. Niveau 16. Attendez, Okri, c'est un insécateur. Ça peut être intéressant, ça. Ok, allez. On va le faire dormir, puis maintenant on va balancer les sweet balls, hein, c'est parti. Ah, il reste là-dedans, Pintfisk. Oh, tu sais que c'est un insécateur, je peux pas trop me permettre de le taper, j'ai deux fois plus de niveau que lui, quoi. Allez, pas le moment de louper tes berceuses. C'est pas le moment de louper tes berceuses, c'est pas bien. Voilà. Allez. Allez, rentre là-dedans. Le truc c'est que je sais pas trop quoi faire pour toucher, j'ai peur qu'il me dégage mes nouvelles rentes. À la limite, Barba Papa. Pas grand chose, on va tenter ça. On va le faire encore une fois. Encore un petit peu. On va switcher. Et maintenant on va le faire dormir. Bon, maintenant il est dans le jaune. On va avoir plus de chances de le choper. 2 3 Et voilà. On a notre rencontre. Donc c'est un insécateur, ça peut être intéressant de le prendre. Alors, montre-moi un petit peu ce que c'est. Donc pancake. Donc cet empilement de pancakes peut s'agrandir en en mangeant du lait, de la en flour, non, c'est mal écrit, c'est de la farine théoriquement, des œufs et pour le goût du beurre. Alors, comment qu'on va l'appeler? En tout cas son sprite est très glitché et très moche. Ben, j'ai presque envie de la... On va faire dans le pas original, on va l'appeler pancake. Allez. Je vais aller voir ce qu'il vaut et je pense qu'on va s'arrêter là parce que cet épisode aura été mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, à quel goût sont ces pancakes? Voyons ça. Raisin. Ça peut être intéressant. Ok, niveau attaque. Très bien. J'avoue que raisin, c'est un goût qu'on n'a pas et le raisin... ça nous permet simplement de taper la framboise. Oui. C'est un coup qu'on peut tester. En plus, Popsy Chou, il est... attendez. Limite, je vais peut-être remplacer Magnum par lui. Ouais. Voilà. Bon, bah du coup, je pensais en faire beaucoup plus dans cet épisode, mais le fait d'avoir voulu relever un défi, c'est un peu retourné contre moi, malheureusement. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien qui fait toujours plaisir à voir. Je le rappelle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à répondre à la question du jour, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais à parler de la chaîne autour de vous, si que vous en dites tout ça, vous le savez. Donc maintenant, à la suite, on fera probablement la grotte et un peu plus. Je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Bye tout le monde.